Nous sommes la jeunesse congolaise. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes le Congo d'aujourd'hui et le Congo de demain. Nous sommes les doigts d'une même main. La conscientisation sur les valeurs patriotiques. Un enjeu pour toute une jeunesse. Une jeunesse en quête de la réappropriation des valeurs fondatrices de notre nation. Mieux qu'une démarche vers l'action, c'est aussi et avant tout un processus de la pensée. Une démarche tout aussi importante que le but à atteindre. Poser un regard critique sur nos agissements sans jamais heurter ni écorcher les consciences, sans jamais laisser effondrer les fondements de notre nation, sans jamais verser dans le copier-coller, sans jamais tomber dans le piège de l'inversion des valeurs, sans jamais oublier le particularisme congolais, sans jamais que d'autres écrivent notre histoire à notre place, sans jamais que d'autres nous donnent des leçons. Nous sommes le Congo, nous sommes le Congo d'aujourd'hui, nous sommes la jeunesse congolaise. Nous sommes le Congo d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes les doigts d'une même main. Nos têtes pigent aussi bien les mathématiques que les sciences humaines. Nous écrirons gravé sur du roc l'histoire glorieuse de notre pays, dont la formation et dont l'action sortira des cendres, tel un phénix, un Congo nouveau. Un Congo qui se reposera enfin sur des valeurs patriotiques, dans la formation et non dans l'ignorance, dans l'action et non dans l'oisiveté. Un Congo nouveau se mettra en ordre de marche, avec une jeunesse motivée par l'effort, un effort persévérant, un effort conduisant au développement de l'infini potentiel, brisant ici l'attentisme, fuyant l'assistanat et la facilité, fuyant la promotion canapé, brisant le réflexe hideux du tribalisme et du régionalisme. Oui, brisons le réflexe hideux du tribalisme et du régionalisme. Une jeunesse retrouvant la fierté d'être congolais, la fierté d'être utile à son pays, la fierté d'apporter sa pièce à la construction de la maison Congo, la fierté de crier tout haut la grandeur et la hauteur de notre pays, le Congo, la fierté d'être cette jeunesse motivée par le goût de l'action, la fierté de devenir cette jeunesse rayonnante de ses mille couleurs à travers toute l'Afrique, la fierté de porter haut le flambeau d'une Afrique qui émerge et qui émergera, la fierté enfin d'appartenir à un Congo nouveau où ses filles et fils se partageront les richesses. Nous sommes le Congo. Nous sommes le Congo d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes la jeunesse congolaise. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes les doigts d'une même main. La conscientisation, mieux qu'un processus, une évaluation aussi importante que le résultat lui-même. Il s'agit de faire et non d'attendre qu'on fasse pour nous. Il s'agit d'être acteur et non spectateur. Il s'agit de construire et non de détruire, d'être en action, d'être en mouvement, de créer, de bâtir, d'inventer, de consolider, de rassembler, de se rendre compte de ce que nous représentons pour notre pays. De ce que nous faisons et de ce que nous ne faisons pas pour notre pays. De ce que nous disons et de ce que nous ne disons pas pour notre pays. Le temps est à son paroxysme. La jeunesse doit prendre toute sa place car elle en est capable. Le train de la conscientisation est en marche. Nous sommes la jeunesse congolaise. Nous sommes le Congo. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes la diaspora congolaise. Nous sommes le comité Moana.